Il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne toujours plus proche de vous, la chaîne qui vous partage tous les bons plans, la chaîne qui est au centre de vos attentes, la chaîne qui vous apportera toujours de la valeur. Voici pour vous mes chers abonnés, mes chers followers, Medical Dodge. Donc c'est un Dodge qui est déjà listé sur les plateformes d'échange. Et actuellement, nous allons voir l'évolution selon les graphiques que nous avons ici à l'écran. Nous allons plutôt utiliser une fonction FDX. On va plutôt utiliser les indicateurs FDX, peut-être pour pouvoir mieux voir cela. Dans un FDX, non, ça ne fonctionne pas, mais on va rester avec les chandeliers japonais. Donc, voici l'évolution de ce token depuis plusieurs mois déjà. Elle a brûlé plusieurs zéros. Bon. C'est vrai, comme je ne suis pas sur ordinateur, c'est pas du tout. Regardez vous-même, regardez comment c'est pas du tout évident de gérer cela sur téléphone. Mais bon, je ferai une autre vidéo sur ordinateur. Alors, on va faire les 5 dernières, on a cliqué sur les 5 dernières 30 minutes. Voilà l'évolution de ce token. Là, il a brûlé plusieurs zéros. Plusieurs zéros. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter plus de 11 milliards de ce token juste avec moins de 2 dollars. Nous allons passer à l'action, mais avant cela, nous allons aller sur le marché parce que hier c'était la chute totale des cryptos. C'était la chute totale des cryptos hier. Donc nous allons voir aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Il y a une quasi-totalité des cryptos qui sont ouverts et. S'il faut juste regarder le Shiba Uni ici, on va regarder, on va aller au niveau de la courbe avant de continuer. Vous voyez, rien qu'aujourd'hui, en une journée, regardez ça, c'est la journée. Hier, on était ici, on était à ce niveau ici. Hier, on a perdu environ plus de. Attendez, on va voir, c'est une semaine, non. Hier, donc vous voyez la chute. Donc, juste la journée d'hier. La journée d'hier, voici la chute de la journée d'hier. Voici juste la chute de la journée d'hier. Elle a perdu environ plus de 40% hier. Et elle est remontée aujourd'hui à plus de 24% déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Donc, c'est ça la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir 1 milliard et quelques temps après, vous vous retrouvez à 2 milliards. Donc, c'est pour ça que les traders, nous qui avons l'expertise, nous, on sait quand il faut l'acheter. Et quand lorsque ça a chuté comme ça, il y a plusieurs personnes ont profité pour faire des achats, pour faire des achats et pour laisser cela en staking. Voilà, ça va. C'est pour dire alors que lorsque vous voulez apprendre à pêcher, allez voir un pêcheur. Donc nous sommes là. Nous sommes là pour vous accompagner. Cette chaîne est là pour vous aider à vous familiariser avec ce secteur. Vous savez, comme j'ai toujours dit, nous sommes à l'heure de la révolution numérique et elle doit créer trois catégories de personnes. Il y aura des milliardaires, des millionnaires et des témoins. Donc, après cette vidéo, tu pourras toi-même choisir la position où tu te trouveras d'ici quelques jours. Voilà, donc voilà, à peu près, vous voyez, j'ai des milliards de crypto-monnaies comme ça ici. C'est à peu près 3 milliards de crypto-monnaies que j'ai ici. 3 milliards, voilà les tokens que je réclame tous les jours. Donc, il y a des chutes, il y a des gains. Vous voyez, il a fait plus 36%. Regardez, donc c'est à peu près cela. Et d'ici à un certain délai, vous voyez ici, la valeur de ce token est encore 0,28 dollars. Si d'ici demain, il est à 1 dollar, combien j'aurai? Imaginez, donc c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que le marché de la crypto-monnaie, le secteur de la crypto-monnaie est adossé sur le principe de l'offre et de la demande. Voilà. Donc, ce sont des tokens que je réclame tous les jours, des airdrops que je partage sur cette chaîne. Mais il y a certaines personnes qui profitent, d'autres qui observent seulement, ils ne font rien. Continuez à observer. Pendant que vous observez, nous faisons du staking, nous gardons nos monnaies et d'ici peu, nous pourrons les revendre au prix du marché. Imaginons, on va prendre un exemple. Je vais vous montrer une monnaie que j'ai achetée à rien du tout. Je prends un exemple. J'ai acheté une monnaie. Attendez, on fait un exemple avant d'aller droit au but. Mais comme je vous ai dit, ma chaîne est à but éducatif, à but formation. Donc c'est pour ça que mes vidéos sont souvent longues parce que j'essaie toujours de donner des astuces, des stratégies, tout ça et autres. Et c'est ce qui intéresse plusieurs personnes sur cette chaîne.
j'aime regarder mes vidéos parce que lorsque je regarde une vidéo, même si ce n'est pas. Même si le titre de la vidéo n'est pas totalement ça entièrement, mais ils reçoivent d'autres informations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je fais un peu cette particularité-là. Donc, je ne suis pas là pour directement aller droit au but. Il y a certaines vidéos où je vais direct droit au but, mais il y a des vidéos où j'essaie d'éduquer parce que c'est mon rôle avec toute l'expertise que j'ai. Donc, je me dois le devoir de partager mon expérience. Voilà, ça sonne la crypto-monnaie comme ça que je réclame. Oui, voilà, c'est énorme. Je ne compte même pas. Je ne compte même pas. Donc, voilà. Donc, c'est extrêmement énorme. Donc, les gars, je vais maintenant passer à l'action. Cette vidéo a pour but, en second lieu, de vous montrer comment acheter 11 milliards de Medical Doge. Vous savez, le baby Doge. On va un peu voir le Doge. Vous allez. On va un peu cliquer ici pour voir un peu les différents Doge. Lorsqu'on tape Doge, là, vous allez voir les différents Doge. Voilà, les différents Doge qui sont là. Voilà les différents Doge. J'ai la quasi-totalité. J'ai presque tous les Doge, excepté les RSE20. Donc, il y a ce Doge que je n'ai pas encore, que je vais l'acheter d'ici peu. Il y a le Doge que je n'ai pas encore. Il y a le Super Doge que je n'ai pas encore. Je vais voir s'il est listé. Non, il n'est pas encore listé. Donc, je vais l'acheter. Il y a le Doge Finance Décentralisée. Non, il n'est pas encore listé. Il y a ce Doge. Voilà, ce Doge, vous voyez, c'est Doge. Voici un Doge que j'ai raté lorsque c'est le prix est en très bas. Je l'ai raté de justesse. Actuellement, il a brûlé tous ses zéros. Imaginez que j'avais seulement acheté. Que j'avais seulement acheté pour disons 1 million de pièces fois ce montant-ci. Imaginez ce que ça vous donne. Ou 1 milliard de pièces à l'époque quand c'était moins cher l'année dernière. Vous voyez, donc ce sont des projets comme ça que nous avons négligés. Aujourd'hui, ça nous rattrape. On regrette. Regardez, regarde le Doge. Regardez vous. Bah, c'est un Doge en gros qu'il faut acheter. Elle est en train de brûler plusieurs zéros. On même peut aller au niveau des indicateurs. Vous allez voir le niveau des indicateurs. Cette semaine-ci. Ah, donc il y a un problème de réseau. Voilà, vous voyez. Voilà. Regardez vous-même. Voilà. Donc c'est ça. Ok, ça va. Donc je vais donc passer alors vous montrer comment acheter 11 milliards de Medical Doge. On va aller sur DApps. On va aller sur PancakeSwap. Je vais aller sur PancakeSwap. Directement sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap directement. Sur PancakeSwap. Voilà. Je viens ici sur Select, je colle le smart contrat que je laisserai en bas de page pour vous. Ah, c'est quoi, j'ai copié tout à l'heure. Ah non, il est là. Voilà, voilà le Medical Doge, il est là. Voilà, j'importe. Ok, j'ai importé le Medical Doge. Il est déjà importé. Il est importé, ça va. Il est importé. Voilà. Maintenant, je vais acheter 11 milliards. 11 milliards de tokens. Voilà. Medical Doge ici, ça me fait combien? 2. Allez. Non, là, je n'ai pas assez pour acheter 11 milliards, mais je vais plutôt acheter à peu près 11 millions. Je vais acheter à peu près 11 millions. À peu près 11 millions, oui, à peu près 11 millions que je vais acheter. Je vais acheter à peu près 11 millions. Je vais ajouter quelques centimes ici. 11 millions. Non, je vais acheter même 12 millions. Je vais acheter 12 millions. Voilà, 12 millions. Voilà, non. 12 millions, voilà. Je vais acheter 12 millions de ce jeton. 12 millions de ce jeton de Medical Doge. Voilà, ça va. Je vais cliquer là sur swap. Voilà. Confirmer le swap. Vers le contrat intelligent. Voilà, c'est bon. Les frais sont bons. Voilà, là, je vais négocier. Je vais négocier ces frais-là. Je vais réduire ici. Actuellement, le matin, les frais étaient très très bons. Mais comme tout est en train de démarcher, sont déjà ouverts. Donc ça. Tout est en train de remonter ici, là. Tout est en train de remonter. Là. Ici, là même. Non, il n'a pas pu négocier. Ici, là, négocier même. Non, il n'a pas négocié. C'était 19. Voilà. Voilà. Non, il n'a pas pu négocier. Donc, en gros, alors, voici les frais d'achat. Les frais d'achat. Ça, c'est le portefeuille. Le DAPS, ici. Voici les frais. Les frais de gaz, encore appelés frais de réseau. Et voici la totalité que je vais payer. À peu près 3 dollars pour avoir 12 millions. 12 millions de ce token-là. Donc, les 12 millions de ce token-là, si d'ici demain, comme j'ai acheté 12 millions là, 12 millions de pièces là,
à 3 dollars. Donc si d'ici un an le Medica Doge vaut juste 1 dollar, je prends juste le petit montant, juste 1 dollar, imaginez, ça me fait 12 millions de dollars directement comme ça dans mon compte. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ici c'est la crypto-monnaie, c'est il faut avoir d'abord l'esprit de la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, et vous devez connaître quelle monnaie acheter, comment acheter, tout ça autre. Donc c'est pour ça que vous devez régulièrement suivre cette chaîne pour qu'elle vous apporte toujours de la valeur. Voilà, pour qu'elle vous apporte toujours de la valeur. Suivez cette chaîne. Voilà, donc ça va, je viens de finaliser le paiement. On va voir si c'est passé. On va aller dans le BR scan pour voir si c'est passé. Voilà. Là, il est en pending. Il est encore en pending. On va voir. Dès qu'il est passé, on va aller attacher. Bon, pendant qu'il cherche, on va aller sur. Voilà, je vois qu'il était hier là même. On va aller sur. On va coller là. On va coller là notre smart contract. Là, on va l'ajouter. On change le contrat ici. En balance smart chain, c'est fait. On colle. Voilà, c'est fait. Ouais. Vous voyez là, on a le contrat, le nom, le symbole et le décimal. Et on va cliquer sur terminer. Voilà. On attend que nos 11 millions arrivent. On attend que nos 11 millions arrivent. C'est pas encore arrivé. Non, apparemment, la transaction n'est pas passée parce que les frais étaient bas. Les frais étaient bas. On va donc, je vais donc renégocier encore ici. La transaction n'est pas passée parce que les frais étaient bas. Et vous voyez là, échec. Voilà, échec. Vous voyez ici, échec. Voilà, échec. Voilà, ça va. Donc je vais reprendre. Allez sur DApps. PancakeSwap. Voilà. Je vais coller à nouveau. Parce que comme on négocie très bas aussi, bon, il estime que. Avec ces frais-là, je ne peux pas m'engager sur les marchés. Je peux pas m'engager sur les marchés. Bon, on va donc payer 64. Voilà, c'est fait. Voilà nos 12 millions. Allez, on va swapper ça. Confirmer le swap. Voilà. Ah, on approuve. Là, ça va passer. Les frais sont nettement moins chers. Donc hier, pour ce montant-ci, on était à peu près dans les 1 dollar de frais. Voilà, on va aller au niveau du scan pour voir. Voilà. Il est en pending. Ça veut dire que... Voilà, c'est bon, ça vient de passer. Je viens de recevoir la confirmation, c'est bon. C'est bon, on va donc sortir de là. On vient ici sur portefeuille. On va coller notre token. Voilà. Smart contrat, voilà, alors on accepte. Voilà, voici nos 12 millions que je viens d'acheter. Vous voyez, nos 12 millions que je viens d'acheter tout de suite là. Donc, si d'ici quelques mois ou un an ou 2 ans, peu importe le temps que ça mettra, pour 3 dollars, si vous après 2 ans vous avez même 20 000 dollars ou 12 000 dollars, ou 12 millions de dollars, c'est toujours intéressant. Donc, voilà, donc les gars, le projet est là. Je vous ai montré comment il fallait acheter le Medical Doge. Donc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous nous ferons le plaisir de vous accompagner, de vous guider. Oui. Sachez que cette chaîne est là pour vous. Pour vous former, éduquer, sensibiliser. Voilà. Donc, ce qu'on vous demande juste, c'est de partager et de liker. Beaucoup de likes, ça nous encourage à encore vous apporter de la valeur. Lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye.